Alright tout le monde, je suis Jasoner. Et on se retrouve sur une petite vidéo, donc un petit jeu indie, man, horreur. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de petits jeux indépendants comme ça. Et je tiens à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de liker la vidéo et qui s'abonnent également, ça m'aide beaucoup. Et un grand merci à vous, donc je vais prendre un petit 2 secondes pour vous remercier. Et puis nous, ben on s'embarque dans cette exploration nocturne à l'hôtel Greenwood. Le son est extrêmement fort. Je tiens à le préciser. Hello, detective. I'm Chapman. I will assist you in this investigation. We need to find out what's really going on in the hotel. 2 years ago, the electricity distribution companies cut off the energy of this hotel, but still the lights turn on by themselves on the same date every year. No one has been able to clarify this situation. That's why we need your help. I'll be watching you no matter what. So you don't have to worry about it, just be careful. Anyway, you can start your investigation in the lobby. Just make sure you don't miss anything. Good luck. Ok, donc on va commencer l'investigation dans le lobby. Et puis le jeu n'est pas en français, donc il n'y a pas de sous-titres, rien. Puis, ben c'est ça, man. On start ça. L'ambiance, en tout cas, à date, c'est cool. C'est un beau jeu. L'ambiance est là. Là, c'est silencieux, là. Une wood. Ah, celui-là, il est fermé. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs. On peut interagir pas mal avec tout. J'ai vu que c'était 247. On va prendre le temps de lire les numéros là, qui ont sur les portes. Ben, sur les clés pour les portes. Est-ce qu'on a une flashlight? Ah ah! Ça va être plus simple. Ah, j'ai pas vu. Je pensais que c'était une fenêtre. 343 et 244. On va commencer par explorer en haut. Le sol tout le temps à la fin, hein. J'aime pas le sol. Wow. C'est silencieux, c'est calme. Trop calme. Ok, tu me donnes pas mon soda? Psycholique. Il a volé mon 25 cents. Ok. Ah, celle-là, on peut la débarrer. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Une photo d'un petit chat! Oh! Du sang? Pas bon signe, ça. Ok, donc il n'y a rien ici. Mais j'avais 247. Ah, mais 247, ça doit être là-bas, mais c'est bloqué. Donc je vais monter en haut. J'aime pas cette lumière-là qui clignote. J'aime pas ça du tout. C'est extrêmement calme. Trop calme. Ok, ici c'est débloqué. Ici, il y a quoi? Lock? Ok. Je vais aller voir par là, parce que j'avais une clé de 343. 341.
Je vérifie toutes les portes juste pour être sûr qu'il n'y en a pas une de débloquée des fois. 45? 42? 45? 43, ok, oui. Désolé. Une note. Wow, Frank. Ok, lui, il est rentré ici sans la permission de personne pour faire une investigation pour Ashley Anderson. Is there someone else inside? This is so weird. I knew something unusual was going on in this hotel. You have to help that poor man, but be careful. We don't know who he is. Frank? Allô, basement. Wow, man, c'est tellement tranquille, là. Je sens que je vais avoir quelque chose qui va me sauter dans la face dans pas long. On va aller dans la cave avant d'explorer plus loin parce que je pense que les portes sont pas mal toutes barrées de ce côté-là. Fait qu'on va suivre l'histoire, bon, on va aller dans le sous-sol. L'atmosphère est quand même assez lourde, je trouve. Ok, je pensais que je venais de voir quelque chose, mais je pense que c'est un bug de lumière. Non, c'est bien... Il semble qu'il y a du smog, là. Contrairement à tantôt. Help, à l'aide. Damn it. The situation is worse than we thought. I'm going to send a team there right away. In the meantime, find a way to get in. Ah merde. Là, j'ai pas de code. Ok, lui, il va envoyer un crew de Chapman pour à l'hôtel, puis nous autres, ben, je pense qu'on doit essayer de trouver un code. Je pense que c'est là, ça va commencer à virer en couille. Je vais remonter en haut, je vais aller vérifier là, dans l'autre corridor qu'on n'a pas exploré. Je pense que ça a un lien. Ben, je pense que c'est plus par là qu'on doit progresser. Coucou? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Welcome to Greenwood. Oh merde. C'est quoi cette clé là? C'est toi? Oh merde. Ok, là je pense que ça part en couille. Oh le sang! C'était pas là ça tantôt? Je pense que je l'avais pas vu ça. Non, c'était pas là, pas en tout ça tantôt. Coucou? Ok, on... YOLO! Oh my god, ok, c'est moi qui a fallu qu'allume ma flashlight. Ok, là on commence à avoir un bruit ambiant là, plus imposant. Ok, alright. Ça commence les boys. And girls. Ah, je vois absolument rien, man. C'est sombre. Ah, ok.
Let's play a game. C'est ça que je suis en train de faire, je suis en train de jouer à un jeu. Ok, c'est, là c'est quoi là? Ah, je dois encore trouver là, le password. Ok. Là j'ai trouvé une clé. Là, je sais pas si la clé... Il y avait une porte barrée en bas. Je sais pas si c'est pour l'armoire. Je sais qu'il y avait un tiroir qui était barré. Je vais aller voir. Ah, il me semble que c'est flou, là. Pas que c'est flou, mais on dirait qu'il y a plus de smog, là. Là, l'ambiance est... Ah, ouais. Ah, ouais, l'ambiance est... La porte est plus là! C'est... Hein? La porte est plus là! Oh, merde. Non? C'est là que je dois aller. La lumière à flash. Ah, salope. Un tournevis. Qu'est-ce qu'on a ici? Et je m'en fous. 241. Hey! 241. Ça, on dirait un item à prendre. 241. Extrêmement imposant. Hey, je vois absolument rien. Enjoy, thank you. T'as faim? Honnêtement, dans des moments comme ça, j'ai pas vraiment faim. Et on vient me servir quand même à la porte. C'est quand même gentil. On va aller voir c'est quoi. Oh, une tête humaine! Marinée avec du sang pis du vin. Bon appétit! Avec un petit bonhomme sourire. Merci! Ça a l'air bon? Une keycard. Il fait bien sombre. T'aimes pas ça? J'ai jamais dit j'aimais pas ça, une tête humaine. Non, ok, non. Oui, non, non, j'aime pas tant ça, une tête humaine. Une keycard. On va aller voir, là, c'est la porte qu'il y avait en haut. Là, j'ai l'estomac solide, là, mon chum. Ah, il y a des lumières, là. Ah, mais on est bien ici, là. Il y a des lumières. Open. Ok, là, je vais pas... je vais arrêter de courir. De me sauver, en fait. Là, c'est le temps de faire face à mes peurs. Ok, mais le texte est en anglais, puis quand même assez long. Il y a en fait un genre de rituel. Est-ce que... Je l'ai pas vu le pentagramme. Oh, le code! 1369. À toutes les fois là, que les lumières se mettent à flasher ou il y a quelque chose qui se passe, j'ai tout le temps peur de me revirer de bord. Attends, c'était quoi? 1369. Ok. Ah, mais les lumières sont réallumées, c'est le fun. Il fait quand même sombre.
C'est quand même vraiment noir. J'ai plus de porte. Je peux plus me sauver. Ah fuck, ok je pense... Ok je dois l'écrire. 1, 3, 6, 9. Ça. 1, 3, 6, 9. Allô? Wow man, hey. Oh c'est fucked up ici. C'est barré de l'autre côté. Don't open! C'est drôle, mais j'ai une envie folle de l'ouvrir la porte. Ah, c'est... Ah, oh, il y a un corps. Il y a des corps. Oh, là, je suis en train de perdre ma flashlight. J'aime pas ça, je m'en vais. Ici, on a quoi? Et on a du sang. Puis le sang va par là. Ah, j'ai besoin d'un tournevis. Ok, on en a vu un en haut, je le savais, si. Genre, la case était ouverte, pis le tournevis qui était ben... Tu sais, qui était ben en avant de nous, là. Fait que c'était sûr que c'était un item qu'on devait prendre. Ah, là, je dois retourner là-bas. C'est super scripté, parce que j'aurais pu le ramasser tantôt, pis j'ai pas pu. Ah, yeah, la lumière s'est allumée. Ça nous indique vraiment où aller. Oh, sacrement. Désolé. Man, arrêtez avec vos jumpscares. le pire, c'est que ça a pas fait trop peur. Il y a pas eu, t'sais, il y a pas eu un gros son. C'est juste parce que c'est saisissant. T'sais, tu te revires super vite. Puis il y avait un petit mannequin. T'sais, c'est ça qui a genre fait un petit peu le saut. Des petits sauts, là. C'est le fun. Oh. Frank? Frank? Je pense que c'est son esprit, man. Il rôde dans l'hôtel, dans le sous-sol. Je pense qu'il est décédé. C'est un petit guess comme ça, là. Ouais, c'est ça, j'aime ça, cette ambiance-là, pour vrai, là. On se promène, là. Je sais pas, c'est une petite expérience horreur, j'adore ça. Les jeux où est-ce qu'on doit courir puis sauver de quelqu'un, j'aime moins ça parce qu'on profite moins un peu de l'expérience horreur. C'est comme là, on explore, on a une ambiance, pis... Je sais pas, c'est le fun, je trouve ça cool. Comment qu'on fait? Comment je sais pour m'accroupir? Ok, c'est bon, je l'ai fait de contrôle, pis ça avait pas marché. Frank? Ah. Ah, je pense que c'est là que le rituel a eu lieu. Frank? T'es mieux de pas me faire peur, mon... torieux. Frank? Je pense que Frank est mort. Ah, oh, yes. Ah, oh, on peut couper les chaînes en haut. 352. Oh, c'est la chambre. Ah, on a une note, mais je l'ai pas lue. C'est pas grave. Ok. Un chapeau. Ok. On va déposer ça ici. On va pas réveiller Frank. On va essayer de pas réveiller Frank. On va aller dans la pièce, dans la chambre 352. Donc là, on doit remonter jusqu'en haut. En espérant qu'il n'y a pas personne qui nous fasse boue. S'il vous plaît. On a eu deux d'affilée, c'est quand même bon. J'ai eu trois petits sauts à date dans le jeu. Eh bien. Ah, c'est juste ici qu'il manque de courant, en fait. Je pensais que c'était partout dans l'hôtel. J'ai vu quelqu'un. Ah! Frank? C'est toi, Frank? Ah, sacrement! Dude, Frank! 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 Pourquoi tu fais ça, Frank? Ah non, c'est pas là pantoute! C'est ici? Ah non, c'est pas là pantoute! Pourquoi je suis revenu ici? Ah, le 352, c'est pas là! C'est à l'autre bout là-bas!
Ah, Frank, il m'a fait peur, là, si. C'est la chambre à Frank. Frank est décédé ici. Ça ressemble à ça. Y a-t-il quelque chose ici? Non? On va fermer les portes. Ça me tente pas que ça me claque dans la face comme tantôt. Staff card. Ça pourrait servir à quoi ça, cette carte-là? Ah, c'est pas Frank. C'est Ashley? Je suis venu en paix. Ah, c'est Frank et Ashley. T'es un petit peu trop proche. Ok. Je dois aller où là? Là, le matériel nécessaire. Ok, le matériel nécessaire pour faire le rituel. C'est ici la note. Attends, j'ai peut-être manqué quelque chose dans cette pièce là. Non? Je pense que c'est des chandelles que je dois récupérer. Pas de chandelle ici. Est-ce que t'es prêt? Ça dépend à quoi? Frank est pas là, là. Ok. Ok, ouais, c'est vrai, ici ça flashait tantôt, là. Fait qu'il y a sûrement quelque chose à faire ici. Ah, c'est ça, les chandelles, on va récupérer des chandelles. Ok, est-ce que j'avais d'autres clés moi à part de ça? Des fois j'ai peur de scrap. Ah, il manquait une porte ou je le sais pas. Ah, je peux aller là! J'ai entendu un téléphone sonner. Ok, ça c'est les pièces qu'on a rentrées. Il fait extrêmement noir ici. Je vais prendre ça, merci. Reste ouverte, porte, s'il te plaît. Le téléphone sonne de cette pièce-là. On répond. C'est peut-être Frank. Ok, ça a arrêté de sonner, c'est bon, il a raccroché. Il a vu que on était pas là. Ok. Là, on a pas été là encore à date. Coupe-moi ça. Faut pas interagir avec. Ok, c'est occupé, ça a l'air. C'est bien. La lumière là est bleue, c'est un esti de temps. Ah! Oh, j'ai... Ah, c'était là la clé que j'avais trouvée tantôt la dernière fois. Oh, une clé! Je vais prendre cette chandelle là.
Barré. Barré. Non. Non. Man, ça cogne partout, là. Frank? Ok, c'était sûr qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Là, je vais rallumer ma flashlight. Là, on va surveiller d'abord. Ah, oh, y'a pas personne, c'est bon. Ok, là, cette clé-là, je pense que je vais peut-être pouvoir débloquer mon armoire en bas. Yes! Oh non! Je pense que 245, c'est la porte qui cognait. Ouais, c'est elle. Ok, je rentre. Dernière chandelle, puis il me faut un lighter. Ok, on a fini. Yes! Ok, là en espérant que tout va bien pour se rendre au sous-sol. On va retourner voir Frank. Ah, Frank est plus là. Est-ce qu'on l'a libéré? Ah, c'est pour ça la carte. Pour faire le rituel. Le rituel de Satan. Est-ce qu'on a fini? C'est mon tour. À être possédé, vous parlez? Je pense qu'on a fini. La porte est là. Est-ce que je peux sortir? Frank? Hotel Greenwood. Wow, man, c'était écœurant! Le détective Aaron Parker est allé le 6 octobre pour aller investiguer Greenwood, l'hôtel Greenwood. Après cette journée-là, plus de nouvelles de lui. Aucun corps a été trouvé. Les autorités ont décidé de fermer l'hôtel, puis j'ai pas eu le temps de traduire la dernière ligne. Wow, pour vrai, honnêtement, là, c'était vraiment bon, là.
J'ai adoré l'atmosphère. Des jeux d'horreur comme ça, je les adore. Un jeu scripté, là, où est-ce que t'as une expérience horreur, tu t'aventures, t'explores, t'as une atmosphère, t'as des petits jumpscares ici et là. C'était vraiment pas. C'était parfait, man, honnêtement. Des fois, là, il y a les. Des fois, il y a des jeux où est-ce qu'il y a des jumpscares partout, 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 puis ça en est fatigant. Mais celui-là, il a été vraiment bien équilibré, je trouve. L'expérience était vraiment, vraiment bonne, honnêtement, là. Waouh, c'était cool. C'était. Sérieux, devrait en faire plus souvent avec des petites expériences comme ça, c'est vraiment cool. Alright, hey, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Hotel Greenwood. Donc, un grand merci à ceux qui ont pris le temps de liker la vidéo, puis à ceux qui s'abonnent également, ça m'aide beaucoup, j'apprécie énormément. Donc, un grand merci à vous. Puis, nous, on se retrouve de prochaines vidéos. Donc, restez à l'écoute, à la prochaine. Ciao!